service is that? Obviously, you make the long one also? What? The long one is coming? Only short. Not only short now. This Saturday, Sunday. This Sunday. I think it's Saturday, Sunday, or Sunday, Monday. You make the long one also? Juste deux secondes. Une heure avant. Comment on se sent? Écoute, ça va. C'est bien de voir que la salle s'est montée. L'air de jeu est magnifique. On a pu échanger quelques balles. J'ai pu malheureusement mesurer le chemin qui me reste à parcourir avant le match de journée ce soir, à l'échauffement. Mais ça va. Le plaisir est là et tous les voyants sont au vert pour l'instant. Excepté le niveau de jeu, encore. Mais il y a encore une heure. Ça se prépare sérieusement. Oh là là là, mais... T'avais l'échauffement de Jian Jianliang, c'était plus sérieux, donc... Non, C'est bien, c'est bien. Ah ouais, je vais me reposer. C'est bon, moi, Il a une carrière d'une longévité incroyable. C'est la détermination, la négation de la main.
les applaudissements, je ne vous demande pas de finalistes. Il y a 12 participations à la Coupe du Monde. Finaliste, on ne demande pas multiples fois de finalistes. Il y a aussi 19 participations au championnat d'Europe. Une victoire en 21 participations au plus. Il a été premier numéro 1 mondial. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles et tout le monde, les supporters des joueurs évidemment, vont accueillir dans quelques instants par un tonnerre d'applaudissements. Jean-Michel Sèvre. Cinq autres légendes du tennis de table mondial. Jean-Michel Sèvre, s'il vous plaît. Le choix de légende suivant qui va se présenter sur les deux jeux, c'est celui qui était, paraît-il, le plus admiré, le plus, on va dire, apprécié des admiratrices surtout. Hein, c'est ce qu'on disait. En tout cas, il est suédois, il est né en 66 à Rijksdal, quelques notes de son palmarès, 4e aux Jeux Olympiques en 7 participations, 4e en 2000 et 2008, 18 participations au championnat du monde, avec la médaille d'or, s'il vous plaît, en simple en 91, finaliste en 89. Il a participé 9 fois à la Coupe du Monde avec une victoire en 91, 12 participations au championnat d'Europe, l'or en 85, finaliste en 96, 17 participations en 92, avec une victoire en 92, finaliste en 88, meilleur classement mondial, lui aussi, premier en mai 91. Nous accueillons, avec un tonnerre d'applaudissements, Jörgen Persson, s'il vous plaît. Vous allez voir, beaucoup de fans sont présents aujourd'hui, rien que pour lui. Il était en 61 à Stockholm, 2 participations aux Jeux Olympiques, 6 participations au championnat d'Europe avec l'or 3 fois, et en simple, 11 participations au blues, 2 victoires, 82 et 90, meilleur classement mondial. Lui, il a été numéro 2 mondial, et puis numéro 8 lorsque l'on classait les joueurs par ordinateur. Vous l'accueillez comme vous le savez le faire, Michael Apelkin, s'il vous plaît. Il est français, il est né à Alès en 1968, il est gaucher, il représente l'élégance, la grande classe, vraiment, c'est comme ça qu'on le connaissait aussi sur la table de tennis de table. Il a participé 4 fois aux Jeux Olympiques avec l'argent en 92, le bronze en 2000 en double, l'argent c'était en simple, 10 participations au championnat du monde, l'or en 93, l'argent en pays en 97, le bronze en 95 et 97 en double, 6 participations à la Coupe du Monde avec une victoire en 94, finaliste en 91. 9 participations au championnat d'Europe avec le bronze en simple en 90, en 96, en 98, l'or par pays en 94 et 98, l'or en 2000 en double avec Chile, 11 participations au top 12 avec une victoire en 97. Il a été meilleur joueur mondial lui aussi en 92. On le surnomme Filou. Applaudissez Jean-Philippe Garcia. En 84 sur 7 participations, finaliste en 86 et 87, 3 participations au championnat d'Asie avec l'or, l'argent, en double mix, en simple aussi. Lui, écoutez, il a été premier numéro 1 mondial, premier joueur mondial pendant près de 5 ans. Je vais écorcher son nom, je le sais, mais vous allez vous me corriger en applaudissant bien fort, Jan Jan. Le Mozart du tennis de table ou du ping, le king, le dieu vivant, mais aussi l'extraterrestre. Il est né en 1965 à Stockholm. Écoutez, 5 participations aux Jeux Olympiques. Laurent en 92, l'argent en 2000, 4e en 2004, 15 participations à la Coupe du Monde avec de multiples médailles d'or en simple, en 89, en 97, d'argent, 87 et 91, et puis d'autres en pays, mais médailles d'or en double aussi. 18 participations à la Coupe du Monde, 12 participations au championnat d'Europe, il a gagné la Coupe du Monde évidemment, il a été le multiple joueur finaliste, il a gagné le championnat d'Europe en 96, il a 18 participations au top 12 et 7 victoires, vous avez bien entendu, 84, 86, 88, 89, 93, 95, meilleur joueur mondial en 89 et puis aussi.
aussi en 92 lorsqu'on les classait par ordinateur. Et là, on va vous demander un tonnerre d'applaudissements, de faire du bruit comme vous savez le faire pour l'extraterrestre Yann André Van.